Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix PAM, c'est Lalanne Fritz, depuis Port-au-Prince, capitale Port-au-Prince, pays d'Haïti, qui va l'informer de toute actualité qui a dominé sur le territoire national, pays d'Haïti. Bonsoir, PDG Abner, c'est un plaisir pour journée mardi 5 septembre 2023 pour présenter pour téléspectateurs HPM information sans mélange sur l'actualité qui a brassé bille pays d'Haïti. Nous disons bienvenue à Super Branché, téléspectateur HPM, qui est toujours fidèle à l'émission pour la Grand Dossier. Point qui a dominé l'actualité en Haïti, j'en nous connais déjà, CARICOM, attaqué série de pourparlers pour nous aller rencontrer les gars plusieurs secteurs dans la vie nationale, là, inclus actuel Premier ministre PM Ariel Henry, sous passage li, dans dernière négociation yo, pour voir s'il était capable d'aboutir à un accord entre toutes protagonistes. Plusieurs structures ont eu rendez-vous avec CARICOM jeudi 5 septembre 2023. Ambassade américaine ferme porte li. Ou même qui a eu passeport dans la main, qui a eu demande visa, qui a eu visa immigrants qui se visent à touristes, bon gens pour rejoindre passeport là, mais c'est pas avec visa la donne. Commune Sodo, bon côté Pali, comment se connaît victime dans le mouvement kidnapping? Port-au-Prince, sorti dans le lock sous le règne de Jovenel Moïse, tombé dans un lock sous enfants armés. Au nom de gangs qui ont même saccagé Villa, le Sud a recevoir flotte véhicules bourrés avec moun cap qui était capitale là vers Grand Sud pays d'Haïti. Grandance commençait à brûler pour quantité moun cap débarqué dans coin. Dans Port-au-Prince, si là yo pas joine dans quel autre côté pour prendre abri, yo algeri Bosco yo comme voisin mort. Lundi voisin mort, gen an victime yo, c'est yo trouvé yo nan cimetière Port-au-Prince pou yo vin longe kò yo pou moun pa vin mande local l'école autre et autre. Bagay yo an pile, yo pa piti et en même temps yo pa mes. Jean, discussion a entamé là, avec réaction. Plusieurs protagonistes qui gagnent pour dire parole pa yo. Dans crise face à CARICOM, PM Ariel Henry, majorité intervenant, exige démission. Brayo pa mes. C'est point ça yo, avec un pilote, qui pral faire essentielle information, nous pral partager. Pour amis téléspectateurs HPM qui est toujours fidèle à l'émission pour la Grand Dossier. Jeudi mardi 5 septembre 2023, comment soleil mardi a été réveillé dans Port-au-Prince à quelques villes provinces? Il était marqué 1 h dans l'après-midi, journée mardi, a été signalé dans Port-au-Prince, bloc avenue N. Dans les 1 h 30 pour journée mardi. Passé dans la zone Delma 95, dans les 1 h 10 dans l'après-midi, cadavre est signalé dans la rue des Pins et Delma 95, contrôlé par la commune Pétionville. C'est 3 h 25 minutes dans le matin, ville commune Petit-Gouave est connue un mouvement qui est déclenché. Coute roche te répond au rendez-vous. La fumée carotou tap monte dans le ciel pays d'Haïti. Mais personne pour qu'on y rejoigne. Qui revendication qui te la cause mouvement ça? Mackinson, c'est un gros chef. Non, un gros chef qui t'a tombé lundi, qui était 4 septembre 2023. Non, il t'a fait base 40, base 90 dans Bel Air. Mouché ta joine. Ak mouche l'anmo nan Delma 32 et idem tout pour yon lot ki tapote nan ti mano. Nan nuit nan le 10h15,
Lundi qui était 4 septembre 2023, en pile tiré t'es enregistré dans commune Pétionville. Gen information qui t'a fait croire que gen yon nan deux kidnappés qui t'es nan Pathfinder qui t'es venu la moyo entre Delma 19 et Delma 31. T'as gen yon jour qui t'es samedi 2 septembre 2023. Information t'a fait croire t'as gen yon nan monsieur kidnappé yo qui t'a yon policier 21e promotion. Photo à l'appui, photo tap sillonné par-ci et par-là. Policier 21e promotion, ça, photo le dégayé. Comme quoi, c'est un cadavre qui était à terre sous tout réseau. Quelques temps plus tard, policier tap sillonné photo li, revendiqué que li vivant. Et image yo wè kap sillonné, soit dans vidéo, kap sillonné dans photo. Et li te font vidéo, preuve à l'appui, que le pa mouri. Li vivant. Et c'est pas un policier 21e promotion, puisque il semble c'est yon qui te tête coupée à clé. C'est même gentil pour PM Ariel Henry. PM Ariel Henry, gon voice qui t'a circulé, qui te avancé que PM nan tombé et couru avec lui dans l'hôpital, dans Rue Lambert à Pétionville, li t'a trouvé lui dans coma. Effectivement, PM Ariel Henry t'est trouvé li dans l'hôpital qui est dans Rue Lambert, mais il va tomber, il est tombé, n'y a pas de sol te prend. C'est plutôt une intervention chirurgicale, lui-même il était pour te faire sur un malade côté il t'a opéré li pour te sauver ville qui était en danger. Et mais c'est pas PM non qui t'est tombé en coma. Bagay ou pas mince, yo pas piti. Et yo gen dan. Insécurité a passé main en bas plateau central à haut plateau. Comme ça, dans la commune Sodo, commencé à enregistrer ka kidnapping spectaculaire. Yon zone que les madame si, yon zone qui voisin à commune Sodo, bandit sans pérès, sans crainte. Entrer dans une entreprise, yo aller à dame nan sans que sauter. Avant zak sa, habitant dans Sodo, te dénoncé quelques visages ouais qui pas yo pas fini remet visage sa yo. Yo te lancé une alerte à autorité yo pour t'apprendre des mesures, mais c'était prêché dans le désert puisque autorité yo pas prend aucune mesure pour te contrôler visage sa yo. Pas gen longtemps de ça. Kidnappé te levé yon nuit, yon garçon an dan la kaeli. Et ça pa gen longtemps depuis sa action sa fête. Ça te passé nan yon localité, nan commune Sodo qui est orangé. Yon l'autre côté, l'autre action a enregistré nan plateau central. Écoutez ça. Il y a une crise mafieux de haute gamme qui a fait. Et nous avons gagné soit avant-hier ou bien hier. Et il y a un camion gaz qui a sorti Savanette, pour le river Savanette. Et plusieurs individus armés qui ont fait camion. Il y a un chauffeur avec trois autres qui étaient là, ils ont exécuté la zone enragée, ça va être là. Et puis, ils ont pris la machine, ils ont débarqué le gaz là, nous ne connaissons pas jusqu'à présent, nous ne connaissons pas qui va. Et puis, ils ont vu la machine dans la zone H. Et la police était ouais, machine à camper pour un bon temps, ils ont mettre les batteries derrière elle. Et puis, il y a un suivi qui fait, et puis la police vient faire une investigation. Le prend machine, il vient déposer dans le sous-commissaire base Udmoa. Et puis, le deuxième incident, c'est que la chasse qui a fait contre moto. Et pour BBT, de hier à aujourd'hui,
trois motos perdues, yon directement perdu en dans rotation, en dans nouveau circuit sa rotation. Monsieur rentré bien à l'aise, entré pour un moto. Il y a la veille, deuxième dans lui-même, il y aura les examens sur mon nom. Ok, et troisièmement, c'est un monde qui prend à toute moto jusqu'à présent, famille, à côté au fer. Et passez bonne nuit. Ministère de l'Éducation nationale a 6 jours ouverture l'école pour qu'on sorte en ken communiqué. Est-ce que y a avancé date d'ouverture là? Ou bien y a maintenu date 11 septembre pour ouverture des classes correctement? Et population en bon côté parle, pour qu'on ait ni en haut ni en bas. Pourtant, même ministère de l'Éducation nationale a courir pour M. Grand Ravigno, côté lui annoncer à toute population que bureau qui chita à col dans Babiol fermé. Et sous peu, il est capable de communiquer qui côté bureau après relouvrir porte lui. J'en ai avancé pour des doutes. Ministère de l'Éducation nationale, il y a plusieurs locales dans Babiol que lui-même était courir déménager là-dedans, fois ça les confirmer. Ville Gonaïve, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont dormi sous place publique, bon rond-point, commissariat dans Boulfigui, autorité commissariat, yo, autorité mairie. Les personnes n'ont pas l'école. Les personnes n'ont pas l'école et il n'y a pas personne qui garde, qui prend soin. Yo. Il a posé question. Société a posé question, qui voit la mairie, qui voit le ministère affaires sociales, qui gagne bien-être social là-dedans, qui voit l'IO? Et c'est toute négligence, ça y est, le mépris de l'autre. Pas prendre Timounio depuis un bas âge. Construire vie, yo, pour être capable d'être citoyen demain. Je dis à conséquence là, ni tout non conséquence catastrophique, puisque c'est presque tout côté dans Port-au-Prince, gros courri, jouk, même l'État nan courri, premier monde qui courri, c'est primature avant tout. Ici en Haïti, comme plus gros aide nous joignent, c'est construire prison, commander des armes, bay la police matérielle. Mais question de construire université, l'école professionnelle, l'école classique, Constitution pays d'Haïti offre l'école gratis pour tout le monde, mais nous, l'État lui-même, pas construit l'école, Jean s'attardouille pour tout le monde jouer l'école gratis. Ambassade américaine, beaucoup de Bali, qui retrouvait en Haïti, local de Chita dans Tabar, il a décidé, après le fin jouer coin, d'annoncer porte de fermée. Après tic-tic-crac, il a réduit effectif. Et fois ça, l'arrivée a annoncé le suspend temporairement service LIO. Là, le plus loin pour le dire, il a campé sous livraison visa immigrant et visa non immigrant. Monde qui a gagné passeport, qui a déposé dans l'ambassade américaine, il a annoncé où, au calme, quand tout est bien, il a dans DHL. Parce que c'est là qu'il y a le passeport pour vous. Mais pas maintenant, tête que le passeport qui est pour vous, les gagnants sont arrêtés, visa la donne, ou attendre. Lorsque la situation a changé, tout bagage pour le marché, ou venir faire l'autre demande. C'est non moins que 72 heures. Ancien sénateur élu qui pas jamais prend fonction, pas même yon aide-temps. Dans le Parlement haïtien, Guy Philippe prend libéré jusqu'à 7 septembre 2023. Est-ce que Guy Philippe s'est volontairement prêt à rentrer en Haïti? Ou bien le 7 septembre, s'il a débarqué, est-ce que c'est une déportation? S'il a une déportation, il y a toute possibilité pour Guy Philippe passer dans le DCPJ. Avant pour ta joindre liberté li si DCPJ pap kembil.
C'est une formalité qui est normale. Depuis ce déportoyer, il faut que les CPJ gardent le dossier. Par exemple, pour nous dire, il y a deux cas qui ne sont pas épargnés. En dedans des CPJ, les dossiers sont tombés. Si vous joignez ces dossiers de drogue ou gain sous dos, ou passif entre un mois à 6 mois de prison, même si vous avez une libération à l'extérieur. Mais toutefois, si vous joignez ces violences sous forme, ou passif de 6 à 1 an de prison. En pile, parole en pile, puisque conférence de presse qui présentait jeudi 5 septembre 2023 dans ville Grand'Anse, dans ville Jérémy, département Grand'Anse, pays d'Haïti, sous un éventuel assassinat ou bien un cafouillage cartouche qui va le marier dans arrivé Guy Philippe pour calaguer dossier groupe armé qui devine accueillir dans l'aéroport Toussaint l'ouverture. Mais ça a parlé à terre, ça fait quoi que y a un foule monde qui paraît pour accueillir arrivé Guy Philippe dans l'aéroport Toussaint l'ouverture. Bah, yo a parlé en pile. Bah, yo pa piti et yo pa mes. Ki te mblen. Jan tout société a tap suivi CARICOM en Haïti. Et lor wè CARICOM, wè gouvernement, wè HCT, wè ACOMAN yo et wè accord 21 décembre mélange ak 11 septembre, tout protagoniste sa yo CARICOM gen rendez-vous pour le déchitak yo. Délégation CARICOM nan te dwe rencontrer jodi a et le rencontrer mardi 5 septembre 2023 ak PM Ariel Henry. Rencontre sa fête dans le 4 heures. Li te gen pou le contre tout au conseil transition qui c'est HCT et réuni ak signataire accord ak membre déclaration Kingston pour ville pour pays Jamaïque. Il vient pour le contrer avec mon parti politique 30 janvier, collectif 30 janvier et autres. Il y a quelques réactions qui tombaient face à une série de protagonistes qui viennent pour Chita avec 8 membres qui mandatés pour devenir en dans CARICOM pour devenir mener négociation ça pour aboutir à un accord largement large pour ne pas dire un accord robuste. Parti collectif 30 janvier. Tout le monde sa yo, ta droit défilé devant Monsieur CARICOM yo, jeudi mardi 5 septembre. Il y a un document qui présenté devant acteur yo même. Dans le document ça, il y a un ensemble d'éléments qui ka permettre de mettre fin dans l'impasse politique Haïti trouvé. Dans le document qui mettait en place là, il parlait d'un nouveau gouvernement d'unité nationale de transition. Si on parlait de nouveau gouvernement pour un nouveau gouvernement, il n'est pas capable de nouveau gouvernement sans départ PM Ariel Henry. Pourquoi n'est pas Claude Joseph pour parti aider, c'est numéro un parti politique EDA. Claude Joseph, vous te connaissez déjà, il exigeait démission PM Ariel Henry et il pourrait élargissement ACT, ses positions, lui-même, lui pral présenté, c'est avant même que le de présenté devant CARICOM, il te gagné position ça. Pour parti membre collectif 30 janvier, yo, qui est en tête, Liné Balthazar, et c'est même Liné Balthazar ça, qui est numéro 1 PHTK, Liné Balthazar, pas by bouche, li trop zoklo, pour lui-même, l'État pour yon démission PM Ariel Henry. Liné Balthazar avançait plusieurs raisons. Il dit situation sécurité pays d'Haïti, c'est comme si li alarmante. Gouvernement pas gen contrôle en rien, pas même point nan li. La besoin pour li, li incapable protéger population. Gouvernement, ça a fait partie problème Haïti.
Et c'est toute raison ça y est. Liné Balthazar prônait pour que Ariel Henry démissionnait. Georges Chemie, Jean-Baptiste, continuait lui-même à ramper dans le pied Ariel Henry comme signataire accord 21 décembre. Il fait appel à un dépassement de soi, bon côté tous deux groupes qui une en face l'autre, qui mettaient crise ça. Georges Chemie favorable à toute réforme qui avançait yo, et il pas ni pour ni contre yon départ PM Ariel Henry. Il jouait là les deux côtés. Pour président mouvement national pour transparence, qui porte nom MNT, il croit que démission PM Ariel Henry pas une solution dans la crise qui a brassé le pays d'Haïti. On l'autre côté, pour mettre André Michel, qui lui-même n'a signé ni accord en septembre, ni accord 21 décembre, il parlait de compromis, c'est ouverture y a fait et y a fait en pile concession déjà. Il avançait pour le dire. Il mettait tout le monde en garde contre le monde qui a demandé démission PM Ariel Henry. A dit, j'en le parle, j'en le mettais le monde en garde là, si tu as demandé démission, peut-être mettre André Michel une sanction pour vous. Il dit, c'est la mission PM Ariel Henry, c'est mener Haïti droite, debout, mettre le campé sous affaire élection pour passer pouvoir, Bayon élu. Jean-Noudou là, c'est tout ça, yo, comme position, capitaine, monsieur Caricomio, qui yo même, selon Jean, agenda que nan men yo, proposition que nan men yo, tracé au Paroué, place PM Ariel Henry. Seul monde qui a place li, c'est monde qui gagne accord quoi, 21 décembre, à 11 septembre nan men yo. Cap fait beurre. On l'autre côté, ce que mon patap Jean imaginait, c'est DCPJ. DCPJ voyons invitation by Louko Désir pour yon excès de zèle li te fait dans yon déclaration côté li te parlé de bandi yo by emploi avec jeunes par faute que chaque semaine yo gon somme l'argent yo payé soldat yo. Et pour lui-même, c'est un bien fait. Depuis dans l'émission Matin Débat lundi 4 septembre 2023, l'autre intervenant, directeur opinion qui était toujours qu'on animait l'émission avec lui, était en exhorté Louko Désir sous intervention sale fait comme quoi il était senti Louko Désir commencer par l'onti Jean qui pas fin trop job. Jeudi, qui c'est 5 septembre 2023, Louko Désir te présenté excuse li et il te rendu compte li te fait excès de zèle. Ça pas traité que gain de confrères la presse qui te pompé contre ça Louko Désir position ou du moins analyse li te avancé et bon côté par parquet Port-au-Prince déjà invité Louko Désir 8 septembre qui va venir là pour la présenter devant commissaire gouvernement, pour le bail quelques éclaircissements, sous encourager pour nous dire la fait promotion pour violence. C'est comme ça, Louko gagne rendez-vous d'ici 8 septembre pour aller répondre à une question commissaire gouvernement. Qui t'aime plein. Question de Grand Ravine. Pas gen pause, jeudi 5 septembre 2023, kay continue à passer en bas du feu dans Kafoufeuille. Oui, kay continue à passer en bas du feu dans Kafoufeuille. Et drôle de coïncidence, plusieurs départements dans le Grand Sud pays d'Haïti ap recevoir en pile victimes ou bien moun kap kouri kite Port-au-Prince. Pour grandance, si la yo ki deja moun grandance, kite Port-au-Prince,
pour aller dans le pays, dans la province côté au sorti, et gagner l'autre qui allait au même avec voisin qui pas moun d'ailleurs. Département commence à paniquer pour empiler tête, yo joine. Tenez comment ambiance te pour ne pas dire ambiance, c'est pas qu'est content. Yon situation côté plusieurs maisons t'es en feu dans Mon-Mari et l'autre qui t'est campé en bas cap garde en haut. Tenez comment yo t'a décrit moun yo wè yo. Écoutez ça. C'est Jean dans le là, question lui-même, les Chita. Quand il continue à brûler, arrivé dans station qui traînait envers le sud pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, où t'as dit, auprès du beau stade Silvio 14, quantité, depuis ces bus qui mettaient tête vers le sud, sac sous tête, yo, c'est meubles, cabane, salle à manger, ça moun capoté pour moun yo jeter yo. C'est comme quoi, c'est une ville qui pral disparaître et puis tout le monde a dégagé ou quitté point territoire ça. Ça fait l'aide. Pendant tout ça, yo a marché là. Dans la société, a globalement, pas ouais, qui sa gouvernement a réglé. Et où joint l'international, pas de monde qui pi choufou ici, c'est PM Ariel Henry. Et fort souvent, chaque fois où un gouvernement qui a mal passé dans le service social en Haïti, international là, toujours bien passé. Selon avancée qui fait, dans la quantité de monde qui est victime, ou bien monde qui est déplacé à cause de violence qui est enregistrée, il y a plus de 16 monde dans Carrefour Feuille. Ak savan pistache qui dans la rue selon OIM. Et drôle de coïncidence, sous qu'on est village qui fait plus silence dans le monde, c'est cimetière. Eh bien, je dis à la cimetière Port-au-Prince, pas question de silence. Vu que gen moun nan déplacé yo qui pa gen l'autre option, c'est dans cimetière Port-au-Prince yo al logé. Yon voisin avec yon tombeau, mais ce n'est pas dans le tombeau où habite pourtant, c'est dans petit passage cimetière gagnant, c'est là yon même, yon logé yon, fait tout ça yon besoin. Bah yon pas piti, yon pas main sur gen dan, entre temps, nèg qui sous pouvoir, a nèg qui derrière pouvoir, pas entendre yon pour payer a lui-même sorti. Dans Katchoubombe, li retrouvé le journée jodi. Nan quantité matériel la police recevoir nan jouk sot passé la yo, yo ta avancé thèse que yo recevoir 500 nouveaux manches longues, alors zam ki ka tiré, nou pa parler de zam automatique, 6 nouveaux blindés pour transporter troupes, plus passé 20 nouveaux machine Zorekin blindée avec munitions plus équipement, tant que bottes, casse et latrier. Je dis à c'est vrai, la police recevra tout ça, mais c'est qui bilan? Depuis comment blindé, c'était juste pour te contrecarrer, avancer, groupe armé, yo, pour pas continuer à prendre territoire. Première attaque qui était faite avec Blendeo, c'est dans Matissan, un jour qui était 12 mars 2021. Depuis lors, Matissan sorti de côté l'IA, il prend commissariat, il traversé, il descend en bas, il chassé, palais de justice, PM n'a été couru quitter,
Joseph Lambert a pris un document dans le Parlement, par contre, c'est pas que l'autre monde n'y paye à le prendre pour lui, et Jouk, ou bien la Tibonite qui tombait, et même fois ça, c'est Nord, c'est Plateau Central, s'il va lever pied, monsieur presque arrivé sur commune Mirbalais. Rayon en pile. Pas parler de port de paix pour Nord-Ouest, ou déjà qu'on petit bois d'homme dans le coin. Qui pas joué? Bagayon en pile. Jusqu'il est ça va fini? Bah qu'on est. Seulement. Non seulement l'inamé nous-mêmes, mais le premier monde qui peut accompagner nous, c'est bon Dieu dans le ciel-là. Je dis, on n'a pas besoin de parlementaire pour gagner humilité dans l'enquête qu'a mené. Nous disons, et nous redisons encore, puisque DCPJ dans le rapport li sorti sur l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ISNOMON li travaille avec la justice pour t'apporter avec l'arrestation, pas complet. Selon toute dernière information qui a avancé, il y a Henri Carpierre avec PM Ariel Henry qui pas figuré dans l'ISLA. Et selon tout ça qui parlait, c'est parce que yo en fonction. Sitôt que vous pas en fonction encore, non à publier. Dans qui document DCPJ joint yon telle position pareille, ou du moins, son question de moun qui mette m'la, faut me protéger li, depuis là, ou senti que DCPJ nan koma, même gens, Haïti gen territoire perdu, DCPJ poko perdu. Mais li enfouillé. Voilà, M. Lalande Fritz, depuis Port-au-Prince, qui t'a informé pour HPM. Au revoir.